C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, je suis choqué, vous avez tellement de talent, mais je ne mérite pas, je ne vous mérite pas. Écoutez-moi bien les amis, je ne vous mérite pas, vous êtes beaucoup trop intelligent et beaucoup trop gentil pour moi. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que vous me demandez le retour des trolls. Eh bien figurez-vous que si je mets autant de temps, c'est parce que j'en prépare un, mais monumental, qui est tellement énorme que ça me demande énormément de préparation. Et je peux vous dire d'avance que vous n'êtes vraiment pas prêt et vous allez vraiment, vraiment vous dire que ça valait le coup d'attendre. Mais en attendant que ça arrive, je vous propose de m'entraîner un petit peu comme au bon vieux temps. Et cela grâce à une map que m'avant envoyer un abonné, une map spéciale pour le troll. Et si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, bienvenue. Moi, c'est Agent GB, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu le fais, eh bien, je t'en remercie. Et je te souhaite une fois de plus la bienvenue. Et sur ce, c'est parti. Là, on se retrouve dans le spawn de la map. On a trois petites choses. Voyons voir ici comment utiliser la map. Alors, ça, c'est vrai qu'il y avait les conseils au début là qui est apparu. Bienvenue sur cette map réservée aux trolls purs, bêtes, badass et méchants. Bon, nous n'allons pas trop loin non plus. Pour connaître le sommaire, pour savoir comment jouer, blablabla, il faut accéder à la salle du badass ou même exploser. D'accord, il faut que je descende, blablabla. Alors on a ici la salle du badass, donc ça sera pour la fin. Et du coup on va commencer tout de suite. Le numéro 1 est le seul du top qui contient une animation. Trop long à mettre en place si je le faisais sur les 10. Il suffit de marcher sur place en fer, sur la place en fer et ne bouge plus. What? C'est lui qui gère tout, celui-ci ne sert que pour faire apparaître les particules, ok. Alors, à désactiver l'exemple, ok. Ajoute des mobs. Ah, ok, d'accord, d'accord, c'est une petite animation, ok, ok. Oh, j'ai galéré à comprendre, ok, très bien. Oh, trop stylé. Ah, voilà, c'est bon, ça a explosé. Oh la vache, j'ai galéré à comprendre, moi. D'accord, donc en fait, concrètement, c'est une place, en fait, qui est donc, qui sert en fait d'appât. Faut que ta victime rentre là-dedans. Et ensuite, tu dois placer de la TNT, etc., avec des commandes lock. Ok, d'accord, bon, ok, pourquoi pas. Bon après c'est vrai que moi les animations je pisse jamais trop, donc j'ai hâte de voir par moi-même. Moi je préfère manipuler moi-même, tout seul, comme un grand. Source de moi à 100%, voilà qui est mieux. Pense aux briquets pour allumer nos amis et pense à activer les particules d'explosion. Ouais t'inquiète pas. Donc les briquets, ok ça c'est bon, j'ai mon petit briquet. Ne pas y aller dès le début, cobaye puissant et destructeur, d'accord très bien. Le creeper est ultra badass de la mort qui tue, ok d'accord. Le fake creeper niveau 2, what. Donc là c'est un faux creeper, what, trop stylé. Et donc ça c'est un faux creeper en fait, c'est quoi. Si je passe en game mode 0 ça fait quoi, ok il m'attaque. Ouais il m'attaque je crois. Ah trop stylé, vous avez vu, alors attendez j'ai pas parlé mais vous avez vu ça fait une explosion mais ça a absolument rien pété. C'est un faux creeper mais c'est ultra balèze comment t'as fait. Attends je me méfie quand même, je réessaie quand même pour vous montrer. Wouah mais c'est trop génial. Mais c'est un truc de ouf, un faux creeper mais comment il a fait. Explosion radius 0B, ah d'accord il a créé un creeper spécial qui a une explosion toute ridicule. Eh mais c'est génial, alors là je retiens cette commande pour les prochains trolls parce que c'est juste absolument épique. C'est un vrai creeper mais avec une explosion tellement ridicule que en fait ça fait juste peur et après tu passes vraiment pour un débile parce que t'as eu peur pour rien. Ça c'est génial, alors là bravo. Voilà là on rentre dans le vide du sujet, là ça commence à me plaire, regarde. Ah j'ai peur Voilà, ça fait rien. Le fake creeper niveau 2, d'accord. Oh, ah oui, creeper électrique pour faire encore plus flipper. Et là, tu vas rien faire comme dégâts, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, il y a les dégâts. Le turbo creeper pour la vitesse change la valeur fuse. Ah, donc ça va être pour la peut-être la vitesse d'explosion, peut-être. Bonjour, petit creeper, viens dire bonjour à papa. Oh, ok, d'accord. Ok, le mec, il a pas le temps, il se met à exploser immédiatement. Très bien, pour l'instant, ça fait pas trop de dégâts, c'est cool. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon armure, du badass, c'est magnifique. Le fire creeper, toujours en feu. Cette commande avec toute... d'accord, ça marche avec toutes les entités de MC, d'accord, très bien. Donc ça, c'est un creeper en feu, tout flamme, et qui en plus explose normalement, d'accord, très bien. Un peu violent, creeper à haut niveau de nitroglycérine, rayon important, ok, très bien. Bonjour, monsieur creeper, vas-y, explose pour voir. Ouh, ah ouais. Ah oui, là, effectivement, là, on part sur du gros creeper, d'accord, très bien. Le creeper sans âme, inoffensif, sauf avec un briquet. Non, sérieux? Alors attends, on va voir ça. Ok, c'est un creeper qui bouge pas, et je peux l'allumer par contre avec un briquet. Wow, trop stylé. Ah! Tout va bien, c'est bon, je n'ai rien. Creeper amorcé automatiquement, pas besoin de briquet ou quoi. Oh ouais, d'accord, là c'est pour faire apparaître un creeper qui explose immédiatement. Et là c'est quoi? Game mode 0 conseillé pour un max de fun. XP creeper, vive l'expérience. Qu'est-ce qu'il fait? What? Un creeper qui chevauche une bulle d'expérience, mais ouais, je fais the fuck. Et ça du coup c'est un creeper normal? Boum, oui c'est ça, c'est un creeper normal. C'est juste que ça donne une bite d'expérience gratos. Ah JPP. Eh bah ben ça me plaît beaucoup les amis. 6 petits creepers que je vais pouvoir utiliser dans mes trolls, là franchement c'était vachement bien pensé, j'ai hâte de voir la suite. Par contre du coup il m'a dit qu'il y avait du coup, enfin là il y a ce creeper secret qui est très dangereux à faire à la fin de la vidéo. Et bien du coup bah rendez-vous à la fin de la vidéo pour tester ça, je suis très curieux de voir quel sera le résultat. Ah oh, monsieur Pierre, bonjour monsieur Pierre, comment allez-vous? Donc là c'est des trucs de gravité machin machin. Active le levier et jette un item dans les airs surprise. Bonjour. Oh! Oh! Mais c'est un truc de ouf!
What? Attends, mais est-ce que moi je vole? Non, moi je vole pas. Y'a que les items qui volent, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Autres exemples de No Gravity sympa. Oh, j'ai hâte de voir ça. Fontaine à item. What? Oh, trop stylé. Oh, c'est génial. Oh, mais c'est absolument épique. Oh, c'est génial. Remettre la gravité. Et là, bouf, ça refait tomber les... C'est génial, mais c'est génial. Kill les items. Oh là 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 là. Oh, mais c'est génial. Oh, mais c'est génial. Oh, c'est absolument magnifique. Regardez ça. Ah mais c'est génial. Alors là franchement je suis vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à des trucs aussi originaux. Là franchement pour l'instant la note est très haute. Alors voyons voir kill les orbes d'XP. Source moi nuage d'XP. Ok. Wouah. Trop stylé, on dirait un truc magique. Oh mais c'est trop beau. Remettre la gravité. Wouah. Mais alors attends, du coup faut que je désactive ça. Et remettre la gravité du coup. Pouf. Oh mais c'est trop badass. Oh mais c'est trop badass. Oh là là, mais vous êtes vraiment des génies, c'est incroyable. Après 4 ans, vous arrivez toujours à autant me surprendre. Vous êtes vraiment des fous. TNT plus gravier égale patchwork. Remettre la gravité, allume le levier, casse la glowstone, puis allume la TNT et observe. Ok, d'accord. Source et pierre, ok. Donc là, j'active le levier, je casse la glowstone et j'active la TNT. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Oh, il va y avoir des graviers dans tous les sens. Oh non. Si. Oh, trop stylé. Mais c'est trop stylé. Et alors vous là, vous flottez dans les airs comme ça sans respect. Oh, il y a même plus de collision. Ah ouais, ils sont complètement buggés. En fait, je crois que ces blocs là, ça doit être ces blocs qui sont là. Est-ce que eux on peut les casser? Non plus. Ah ouais, c'est complètement buggé. Oh mais c'est génial. Et du coup, si je remets la gravité, ah ouais, ils existent quand même, c'est juste qu'ils sont cassés. Oh mais c'est génial. Ici pour activer le vol du bateau, pas besoin d'une commande répétée. OK, du coup, j'active ça et qu'est-ce qui se passe? Faut que je casse ça. Hein? Bonjour? Ah, j'ai tout cassé! Ah, attendez, je replace comme il a fait parce qu'on sait jamais. Boat, et là, activer le vol du bateau. Tac, et du coup, faut quoi? Faut que j'avance avec? What? Oh my god! Oh, mais c'est génial! Oh, ce mec est un génie! Oh, mais c'est génial! Oh, j'ai jamais vu ça! Mais c'est un truc de ouf, regardez ça! Je suis sur un bateau volant, c'est absolument génial! Alors là, si on m'avait dit un jour que je serais dans Minecraft en train de voler dans un bateau et qui en plus fonctionne, alors là, franchement, j'y croirais pas! Mais c'est absolument épique! C'est un moment historique pour ma chaîne YouTube! Oh, du coup, voyons voir numéro 4. Mais qu'est-ce qu'il va me faire? C'est absolument génial. Par ici, le fun! D'accord, donc là, ça va être du slash summon, apparemment. The Maxi Creeper Over. Du coup, faut quoi? Faut que je le casse. Et pouf, ça va exploser. Wow! Bombe de creeper. Ok, pas mal. Attends, comment je tue tous ces creepers? Il y a peut-être une commande? Non, dites-moi qu'il y a une commande, s'il vous plaît. Ah, je l'ai one-shot. Ah, bah, ça va, alors. Par ici, l'XP, Monsieur Mouton. Ok, j'ai cru que c'est un mouton géant, j'ai eu trop peur. Et là du coup, qu'est-ce que tu fais toi? Tu me donnes beaucoup d'XP quand tu meurs? Non? Ok, j'ai pas compris. Ah, le mec chevauche une grosse orbe d'XP, c'est pour ça qu'il me fonçait dessus, regardez ça. Oh, monsieur mouton qui est sur sa petite orbe d'XP. Est-ce que je peux l'attirer à moi? Monsieur mouton, viens vers moi, regardez ça, il est attiré par moi. Monsieur mouton, qu'est-ce que tu fais? Non. Et hop, je te vole l'XP, merci, au revoir. Bon, vous inquiétez pas, il y a tous ces clones qui seront là pour lui. Pile de creepers, wouh. Ok, d'accord, bonjour messieurs les creepers. Et de 1, et de 2. Oh, est-ce qu'on peut les tuer? On peut les tuer dans les airs, regardez ça. Ils ne toucheront pas. Je fais du volleyball avec des creepers, il y a plus de respect. Allez. Oui, magnifique, ils ont même pas touché le sol, c'est magnifique. Chauve-souris du badass V2. Oh, ok, d'accord. Une TNT dans les airs, soutenue par une chauve-souris. Ah, et en plus, ça explose. Mais c'est génial. Ah, mais c'est génial, je vais tellement m'amuser dans les prochains trolls avec tout ça. Bon, par contre, j'utiliserai pas dans le troll dont je vous parle, hein, parce que on a bien assez à faire. Chauve-souris du badass V1, ça fait quoi? Oh, chauve-souris qui prend un creeper électrique. Ok, très bien. The TNT Rocket. Ok, la fusée TNT. What the... Oh, mais c'est génial. Regardez ça. C'est des TNT avec un décalage d'explosion assez faible pour que ça pousse à chaque fois un peu plus haut. Mais c'est absolument génial. Oh, ce mec est un génie. Alors, ok, il n'y a pas de déco, mais franchement, les créations sont de lui et c'est un génie. La note va être très 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 haute. Casse-toi, toi. Alors, l'arc. Du coup, il faut que j'ai un arc, apparemment. Oh, pas mal. Test de la flèche, t'es dans le sol. Ok, donc on va faire ça. Levier, clac, et du coup... attendez, il faut que j'active le bleu. Comment est-ce que je l'active? Ça doit être ça, peut-être. Oh, what the fuck? C'est absolument génial. Alors, attendez, la question que je me pose, c'est est-ce que si je fais traverser une flèche sur toute la longueur de la map, est-ce qu'il va y avoir une traînée d'éclairs? On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1, hop, j'active, hop. Non, zut, loupé. Attendez, je réessaye. 3, 2, 1, hop, j'active, hop. Wow, trop stylé, la traînée d'éclairs. Alors du coup, voyons voir le numéro 6. Mais attends, on est à la moitié de la map et c'est déjà trop génial. Le déclenchement de tous les creepers de la map MC en même temps. Oh my god. Prends un peu de hauteur et regarde sous tes pieds. Oh, il a fait un pixel art de creeper. Ça va, on récupère la note des points de déco. Ça va. Ajouter des creepers. Bah écoute, on va en rajouter les amis, hein. Petite explosion, grosse explosion. Petite explosion. Vous croyez que je suis là pour faire des petites explosions?
explosion? Non, monsieur, grosse explosion. Ah ouais, tous en même temps. Wow! Ok, tout va bien, tout est absolument under control. Bon, c'est vrai qu'il reste plus grand chose sur la tête du creeper, le pauvre. Alors du coup, numéro 7, du troll pur et frais. De la redstone, des pistons et une prison inéchappable. En solo et en game mode 0, je dois te prévenir, avec le game mode 1 ou 3. Comment ça, qui a dit qui est en game mode 1 ici? Qui est en game mode 1? Toi? Non, pas toi. Personne n'est en game mode 1 ici. Alors, il faut se téléporter au sommet rapidement. D'accord, très bien, bah, je vais me téléporter au sommet rapidement. Saute et essaye de sortir sans tricher. Si tu arrives, je t'appelle dieu du badass et du troll. À la TNT. A few inches later. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Je peux pas, de toute façon, il y a du verre au-dessus. D'accord, très bien. En gros, l'idée, c'est tout simplement de t'emprisonner vraiment dans un truc où tu ne peux même pas casser le moindre bloc autour de toi sans suffoquer. Et en plus, tu ne suffoques pas. Donc, c'est vrai que c'est une mort longue et très désagréable, hein. Pourquoi pas? Ce n'est pas un troll, mais tu peux en générer une infinité avec ce que je vais te montrer. D'accord. Le sélecteur @sp, ça c'est le plus proche. Oui, ça je connais. Ah oui, non, mais ça je connais, ouais. Sélecteur entité, machin, machin. C'est bon, ça je connais. Numéro 9. Se débarrasser de la TNT, l'allumer ou stop la machine. Seul moyen de contrer, aucun. D'accord, donc j'appuie là-dessus, ça fait... What the fuck? Le levier sera au-dessus de la machine, d'accord, très bien. Le mec a mis 2 heures à mettre ça en place, le mec est déter. D'accord, très bien. Bon bah du coup, faut que j'active tout ça. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Alors y'avoue, il n'est pas trop compris là. Est-ce qu'il faut que je sois en game mode 0 peut-être? Ah, ça m'a donné ça, TNT du troll, j'avais pas vu. Ok, d'accord, très bien, et alors? TNT du troll, qu'est-ce qu'il m'a fabriqué? Bonsoir. Oh oh, il y a une TNT qui a explosé à l'intérieur, je crois. Non? Oh! Oh mais... Oh mais c'est trop ouf! Mais c'est un truc d'ouf, regardez ça, dès que je casse une TNT, ça en met encore un tas! Oh mais ce mec est un génie! Oh! Mais c'était fou! À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir tout vu, que ce soit sur la TNT ou quoi que ce soit, et au final, vous m'apprenez, enfin vous me montrez des nouvelles choses, mais c'est... Mais vous êtes impressionnant les amis, vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes intelligent. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, je suis choqué, vous avez tellement de talent, mais je ne mérite pas, je ne vous mérite pas. Écoutez-moi bien les amis, je ne vous mérite pas, vous êtes beaucoup trop intelligent et beaucoup trop gentil pour moi. Oh mais c'est absolument magnifique, c'est un rêve de gosse là que vous venez de faire. Casser une TNT, ça en fait apparaître 6 autres. Oh c'est absolument génial, et en plus je fais des belles sculptures. Oh mec, t'es un génie, tu es un génie. Le dernier des trolls, voyons voir. Création personnelle à 100%, règle ta vision sur 20 chunks, sinon le canon va être déchargé. D'accord, très bien, alors 20 chunks, boum boum boum, voilà. Création personnelle à 100%, une fois de plus le génie a frappé. Qu'est-ce qui va se passer? Hein, bonjour. Revenir au canon? Hein, il s'est passé quoi? Eh ben du coup, comment j'active le canon, moi, mademoiselle? C'est là-bas? Bon bah désolé, je ne comprends pas. Alors attendez, d'abord, on va s'occuper quand même du petit creeper de tout à l'heure. Je ne l'ai pas oublié. Alors, monsieur le creeper plus puissant que la... What the fuck? Mon dieu, il a lagué, il va tout péter. Oh, what the... Ok, ça va. Ouf, ça va, c'est pas trop puissant. Il y a surtout eu plein de fumée, c'était abusé. Et du coup, il y a accès au détonateur final. Salut du badass. Oui, bonjour, Legolas, ça va bien? Allez, pousse-toi, je n'ai pas le temps. What the... Bonjour. Créateur de la map, Yolo Redstone, le plus grand de tous les rois de la badassitude. Ah bah, c'est la fin. Ah mais non, il y a le truc du badass, voilà ça. Truc badass, bonjour. Oh, what the... Oh my god! Ah mais c'est trop cool! Enfin ouais, en fait, j'ai eu l'effet de surprise, mais c'est vrai qu'en fait c'est juste du vert noir et rouge avec de la lumière qui la traverse. Mais c'est trop stylé, c'est trop mignon, merci! Et en plus on a récupéré notre chien Legolas. Oh il est là mon chien, bonjour mon petit chien. Du coup c'est tout pour cette vidéo, je donne la note de 20 sur 20 à cette map. Certes ça manquait un petit peu de déco, certes il y a eu un épisode où ça a bugué, mais c'est pas grave, c'était ouf! Tout ce qui n'a pas bugué était génial, original, c'était de la folie, je me suis éclaté, je me suis hyper amusé, j'ai appris plein de trucs, donc c'est un énorme 20 sur 20. Si jamais toi tu veux m'envoyer une map top 10, des créations ou quoi que ce soit, c'est ton mail qui s'affiche juste en haut de l'écran. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si tu veux le retour des trolls, et que je me dépêche un petit peu pour sortir le nouveau troll. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, Legolas et moi, on vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five! We'll be right back.